mettre sur le pied et me tuer. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Réclame Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes, Nabisso et Alele Ezali. Édition spéciale. Oyo Toko Lobelabino. Oyo Elekaki Lobina. Assemblée nationale. Donc, chambre basse. Il y a Mboka Nabisso. Donc, depuis hier, jeudi 23 mai 2024. Bureau définitif, il y a parlement et Witaki ko yebana. Boyi basala ka vote interne. Bango moko ba député ba kopona bureau na bango. Tous allez na bureau provisoire. Lelo donc hier jeudi 23 donc Wumelaki direct banda ba 10h ti ba 23h minuit pour ba pona président donc na batunaye équipe Mobimba oyo. Bako Kumbela Masolo Nakatia Parneva pendant 5 ans. Donc, chambre basse, Wana, donc, Babengi, Parlement, Assemblée nationale. Donc, Witeki, ko élire comme président et Assemblée nationale, ya Mboka Nabisso, Vital Kamere, yé Moutazoué qui 371 zones Babengi na France, awa 371 voix sur 407 voix. Donc, na 407 bateaux, Bazalaki wana, ba député, Bazalaki wana, ba ponaki Vital Kamere na 371 voix. Donc, a commis président et assemblée national, donc le Parlement a remplacé Christophe Mboso. Donc, première vice-président après Vital Kamere au Alandie, Ezali Isaac Jean-Claude Chilou Mbaye, bah, vota qui est na 368 voix sur 405 voix. Donc, Yem Tazali, première vice président et assemblée nationale. Donc Christophe Mboso alingi koti kama solote donc balingé mingi azongi alongo na sika ya président assemblée nationale a commis deuxième vice président assemblée nationale yé ba vota qui est na 379 voix. Donc et puis tozali na monsieur o ya yebani vraiment pour vraiment azonga ka mingi. En tant que député, il a voté na 380 voix sur 405. Il est député wana kombo na ye Jacques Njoli, il est mutazali rapporteur. Donc na ba misusu balandi donc totangi kaka wana donc pour rappel boye baké donc Vital Kamere mutakomi président et assemblée nationale chambre basse. Pour 5 ans, bah, voter yé, na, sur 407 voix, yé, azui 371 voix. Pour rappel, Boyebi Vital Kamere, président de la République, Fatih Beton, azui pouvoir, Vital Kamere, azaleki directeur ya cabinet, et puis Boye, ko mon après scandale et bimi, donc procès à 100 jours. Bah, condamné qui Vital Kamere na prison à Koti après nga na benga ki yango erreur judiciaire parce que kombo monsieur Zalagite bah eko bimisaye ke azali innocent bon monaki ndenge le kaki après wana bah eko nommé ministre ya économie sikoyo après
gouvernement Tango Ekweyi, donc deuxième mandat à Félix Antoine Tshisekedi, Vital Kamerhe a commis président à l'Assemblée nationale, donc chambre basse. Donc pour le moment, il faut toujours garder espoir. Moninga Saka Azu Sepela, Bisso Tozoagite, na Parlement, Tozoagite, na élection législative, Tosepela na Bato Bazoaki, en ce qui me concerne. Donc pour le moment, parcours, il y a Vital Kamerhe, Ndenge Bandaki, na Milinga Milinga Zoaki, na Sikoyo, à Zongeli, et bongani parce que Kalapé Azalaki, na l'air, il y a Kabila Azalaki, président, il y a Assemblée nationale. Donc vraiment, Totenaki, to Lakisabino oyo bokomona na ba image concernant élection ya Vital Kamerhe en tant que président ya Assemblée nationale to Tikibino bolanda na bilili. Avec l'élection et l'installation de son bureau définitif, l'Assemblée nationale peut s'estimer maintenant en situation d'accomplir ses missions que lui sont reconnues par la Constitution. Tous les candidats aux différents postes partagent en commun le fait d'avoir recueilli sur eux le nombre suffisamment large des suffrages exprimés par leurs collègues nationaux. La compétition était très serrée entre les compétiteurs au poste de rapporteur adjoint. La députée nationale Dominique Monongo l'a remportée face à Constant Mutamba. C'est la dernière plénière sous la conduite du bureau d'âge qu'a présidé le président Christophe Mboso Kodiapuanga qui clôt cette session extraordinaire qui était ouverte depuis le 22 janvier 2024. Honorable président, dès aujourd'hui, vous avez le marteau, symbole du pouvoir et du commandement à l'Assemblée nationale. Je vous décerne conformément à notre constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mes sincères félicitations. Voici le marteau. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, retrouve l'ambiance des séances plénières dans la salle des congrès en même temps que le perchoir où il avait siégé voici 15 ans aujourd'hui. Pour mieux accomplir cette mission constitutionnelle, il nous faut la réhabilitation du député national dans son honneur et dans sa dignité. Chers collègues, vous pouvez compter sur moi, collectivement, mais aussi individuellement, pour qu'ensemble nous rendions à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse et faisons d'elle un véritable temple d'expression démocratique. La compétition est ainsi faite par Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale, suivi du député national Isaac Jean-Claude Tchouloumbaï au poste de premier vice-président. Le deuxième vice-président est assuré par Christophe Mboso Kodiapuanga. Le poste de rapporteur revient à Jack Joly et Sengekeli. Le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale a été attribué par la députée nationale Dominique Monongo au poste de questeur Chimène Polipoli et enfin le poste de questeur adjoint revient à Néma Grasse. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale dispose de son bureau dont nous tenons à féliciter l'honorable Vital Kamerhe qui est élu président et nous rappelons que la population attend beaucoup de nous. Nous sommes très, très satisfaits étant donné que la population attendait effectivement ce bureau définitif. Et là, nous venons d'installer le bureau et après le bureau, c'est le contrôle du Parlement, le contrôle plutôt du gouvernement, après le bureau, c'est le vote des lois. Et nous sommes là, nous avons appuyé le ticket qui a été présenté par le présidium des Lions Sacrés. La population s'est beaucoup impatientée, mais qu'est-ce que vous voulez? Il fallait trouver un compromis pour que tous les grands espaces du pays puissent être représentés géographiquement. Le peuple congolais a besoin qu'aujourd'hui que nous, l'Assemblée puisse avoir un bureau définitif, que la République démocratique du Congo puisse avoir un gouvernement afin que leurs déshydratants, leurs problèmes soient résolus. C'est les mêmes attentes pratiquement, hein, faire des bonnes lois et surtout le contrôle parlementaire pour veiller à ce que la politique qui est définie par l'exécutif soit réellement appliquée. Il a mis les députés nationaux devant leurs responsabilités.
Il a certainement émis quelques préoccupations qui étaient du reste légitimes et très fondées, notamment celle de voir la candidature de femmes être approuvée et surtout la présence de la Grande Orientale. Depuis les débuts de cette session extraordinaire, nous nous attendions à ces moments. Alors, aujourd'hui, le président Kamere a été élu et aujourd'hui, il a été installé, donc c'est un grand jour. Je voulais vous rappeler que le président Kamere, c'est le président du regroupement auquel Congo Uni, le parti politique dont je suis le président, est membre. Bilomoko Bowiti Kolanda, donc Vital Kamerhe azali wana pour 5 ans, ba voté, ezali président de la République, ta nommé te wana ezali donc vote interne, ba député ba mongo ba poni Vital Kamerhe. Donc vraiment to tenekito la kisa bino yango parce que ezali eloko moko et kotikala wana pendant 5 ans, donc aza na mandat ya 5 ans. Donc vraiment merci na fidélité na bino. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.